Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News AD. Sénateur Joe Manchin déclaré c'est fini, li pas pour aller dans l'élection pour 2024. Joe Manchin, on ne peut pas attendre non ça, puisqu'il toujours fait sujet de discussion lorsque les démocrates prennent des décisions capitales, en pile fois li bloqué. Il y a un pile monde qui raille, monsieur. Et pour de bonnes raisons. Lundi pour de bonnes raisons, puisque il y a des gros projets. Que ce soit l'immigration, encore t'as dit que Manchin va être débloqué. Nous songeons que nous avons besoin de continuer à faire un peu de temps. Manchin bloqué. Mais ça, en pile, nous ne savons pas. Manchin, c'est l'unique sénateur, il va parler bien, qui est capable d'être élu en West Virginia en tant que démocrate. Laissez-moi dire que West Virginia, Joe Manchin a gagné en 2018. Il était moins que 20 000 votes, oui. Il était well to close. West Virginia, son côté Donald Trump, gagné every single county, tout county honnête, 40 points. À 40 points. Donc, sans façon pour m'a présenté, nous voulons qu'on quitte ça, West Virginia. West Virginia, c'est vraiment un red state. Donc, ça t'a voulu dire ça. C'est vrai que les démocrates sont toujours fâchés avec Joe Manchin. En plus de discussion, mais la vérité, gars, ça me dit. Pas gain ou l'autre démocrate qui est capable de bon en Virginia à part Joe Manchin. Et si Joe Manchin arrive comme démocrate dans Virginia, c'est par rapport avec position. Parce que l'État fort souvent essayé d'aller au centre de bon démocrate, de bloquer. Des fois, même ou même tout qu'on a dit, même si sont républicains. Donc, ça, moun yo pa comprendre. Dans la politique, Joe Manchin t'a fait, c'est justement pour le capabilité. Parce que si des propositions trop open avec démocrates, donc l'oblige à ménager la chèvre et le chou. Donc, monsieur déclaré que li pa pral nan élection, li retire. Il y a des questions qu'a soulevé et après, qui ça, monsieur pral fait? Bon, monsieur dit, et s'il est vrai que li pa pral, il content que le représentant de Virginie a voté tant, et il quitte le job ça, mais il dit qu'il est toujours présent. Il a toujours marché dans différents coins dans le pays, dans la mission pour unir les républicains et les démocrates. Donc, c'est déclaration de fait. Mais l'offre analyse en profondeur, on est capable de lire l'autre bagaille. On est capable de lire que Joe Manchin est capable de choisir et de tirer l'école. Parce que tout simplement, il sortit avec l'impression qu'il n'est pas bon. Parce que vous qui ça, il sortit avec l'impression. Parce que le sondage qui fait, yo, que ce soit dans la primaire, oui, je parle au niveau des républicains, que ce soit dans l'élection générale, dans West Virginia, montrer les gens qui ont actuellement cap challenge, les républicains qui ont challenge, nous voulons parler de Governor James. Governor Jim Justice. Eh bien, ils ont montré que ce soit entre les républicains dans la primaire, mais que ce soit en élection générale, en face, et Joe Manchin, monsieur, tout Paul, tout sondage, vous êtes monsieur Levant. OK. So donc c'est quand on analyse comme ça, dit bon, moi là, moi sur pour en perdre. Donc bon, moi pas besoin de prendre défaite ça. Et bon, moi tirer comme les retraite, pas oublier le retraite, le retraite, retraite là toute corps ou retraite avec honneur tout ou camper. Vous comprenez? Donc c'est gain en pile chance de donner ça qui fait monsieur faire des réflexions ça. OK. Donc si Manchin, Joe Manchin nous connaît. Jounen jodi a, effectivement, wè ke li incapable pou l gen élection nan West Virginia, nan san dare le côté ki se MAGA World, Stronghold. Se sa li Virginia, se 40 points l gen la dan. Se sa pou moun konprann de Virginia. Donc, si Manchin baka gen, li impossible. Wè m di kanon, li impossible pou moun ta kwè ke gon lòt démocrate ki ka bon nan West Virginia. Se complètement impossible. C'est un red state et c'est il a répété pour mon comprendre la dernière fois que Manchin te gagne tu gagne moins que 20 000 votes. Donc c'est ça qui réalité Virginia. Donc Manchin qui pas là pour élection 2024 démocrate laisse moi rappeler pour le moment gagne 51-49. And that is tout ba arrêté même genre tout ba and that you all faire élection là. Ils sont républicains qui sont bons dans la Virginie. C'est un républicain qui est bon dans la Virginie. Donc, Machia vient un petit peu plus serré pour les démocrates. Il
faut que vous ayez qui côté vous ka flip, qui côté vous ka flip position, pour vous pas retourner dans cause 50-50, bien que 50-50 là. Il y a toujours une majorité, mais il fait beaucoup plus difficile. Ok? Donc, en réalité, Joe Manchin, qui est en pile démocrate, tout qu'on a joué, qui est pour le Ravel, je dis à Dépoli, et dans West Virginia, et annoncer ça n'a la disparition du parti démocrate en West Virginia. Parce que la vérité, à part Joe Manchin, ou pas qu'à imaginer on les démocrates qui capable justement gagner l'élection en West Virginia. Maintenant, la grande question qui s'est allée, est-ce que Joe Manchin, pour aller tout le monde obtenir sous ça, pour aller former ça, pour aller un third party pour l'élection 2024, est-ce que Joe Manchin pour aller candidat pour présidence? Les amis, quand il y a étant donné qu'il quitte les retired, question ça a, il y a plus sens. Maintenant, la grande question, il a toujours appuyé Joe Manchin, il a toujours répondu, il n'a pas dit jamais. Là, il a posé la question, est-ce qu'on va aller à l'élection présidence? Monsieur Tou dit li bonnet toujours. Et monsieur précisé, jour la décide aller dans l'élection, c'est qu'il pas aller pour perdre. Donc monsieur qui t'a voulu aller dans l'élection, en bas, ça n'a relé un third party pour pas ni républicain ni démocrate. Ok? Et maintenant, d'où l'on aller en third party, il faut que gagne un pourcentage de population générale là représentable qui a marché avec. Ok? Et donc, Manchin qui a annoncé hier jeudi que Job Likouni a ses voyages, il va voyager dans tout le pays pour le parler, pour le voir et comprendre un mouvement qui peut identifier ça qui n'a intérêt et mobiliser les milliers de ça pour mener différents membres de la famille américaine pour faire une rencontre puisque société a un peu épars, société a un peu divisé. So, donc voilà, et Joe Manchin, désormais, qui n'est pas pour aller dans West Virginia, et là, nous disons que les démocrates, vraisemblablement, et nous ne croyons pas qu'il y a qu'à gagner contrôle effectif de West Virginia. Donc voilà, guys, nous avons un petit update ça pour vous, et qui va faire que les démocrates sont là, il faut que vous battez plus, c'est tout bon vrai. Yo besoin kembe et majorité que yo gagne là et pour l'autre année pour 2024 il y a vraiment besoin pour yo lever pied. Donc voilà guys, c'était avec un véritable plaisir que nous t'ai porté update ça pour nous.